them. Jamais rien su de cette nuit au Katanga. Personne ne devait rien savoir. Leur ordre de mission était clair. Trois corps à retrouver dans la savane et tout faire disparaître. Pas de sépulture, pas de lieu de pèlerinage. Même mort, je leur faisais encore peur. Peux-tu m'aider? Leur dis pas que...
Vous êtes allé là-bas comme si vous étiez le Congo, alors que votre parti ne représente pas tout le Congo. Ne m'ont pas à la parole, s'il vous plaît. Laissez-le donc terminer. Effectivement, mon parti, le MNC, ne représente pas tout le Congo. Pas encore. Comme la CONACAP de M. Tshombe n'est pas non plus tout le Katanga. Notre parti est un immense parti. Le vôtre n'est rien. Il y a 250 partis à travers le Congo, sans compter ceux que les Belges créent de toutes pièces. M. Kassavubu, par exemple, est peut-être peiné de n'avoir pas pu montrer toute sa puissance à Accra. Qui puis-je ? Ce n'est pas moi qui délivre les visas. Justement, pour quelles raisons les autorités vous ont-elles laissé y aller seul ? Mais demandez-leur. On connaît bien, vous vendez la Polar. C'est la bière du ministre du Congo. Démissionnaire à 51%. Je l'ignorais. Vous ignorez beaucoup de choses. Et d'abord, la préséance la plus élémentaire. C'est une plaisanterie. Non, pas du tout. Je préfère que vous ayez le texte complet de mon discours plutôt que des comptes rendus tronqués des journaux. J'aurais peut-être dû parler de vous et de votre riche province. Mais je ne pense pas au Congo comme un ensemble de provinces, de tribus ou d'ethnies, mais comme un tout. L'Afrique est un tout. Nous devons dépasser le provincialisme. Vous refaites votre discours. Vous vous croyez encore à Accra? Pas tout à fait. Vous êtes deux, même si vous représentez beaucoup plus. J'avais 10 000 auditeurs. Je ne pouvais pas mentionner la CONACAP de M. Tshombe uniquement pour lui faire plaisir. À la prochaine conférence panafricaine, je me ferai un plaisir de parler de votre parti, de votre immense parti. Cet individu se paye notre tête. Votre ironie est déplacée, insultante. Je ne peux vous répondre que j'ai fait ce discours, lisez-le. Ou ne le lisez pas, mais il est trop tard pour le refaire. Tu voyages beaucoup pour placer ta bière. Évite ma région, parce que nous, on n'oublie rien. Aussi, j'ai fait des erreurs. Et l'histoire allait mal finir. On se croyait maître de notre destin. Alors que derrière nous, des ennemis autrement puissants menaient le jeu. Pourquoi donc ont-ils eu si peur? Ne savaient-ils pas qu'en me tuant, l'histoire leur échappait à jamais? Je n'avais fait qu'exprimer tout haut un rêve de liberté et de fraternité. Des mots qu'il ne pouvait entendre. Juste des mots. De ma province de Stanleyville, avec le grade de postier 3e classe dans l'administration coloniale. À 30 ans, j'avais atteint le sommet de ma carrière. Ce travail à Léo n'était pas tout à fait ce que j'avais imaginé, mais on ne regarde pas dans la gueule d'un cheval qu'on vous offre. Lumumba, Patrice. Paraît que tu sais parler aux gens. Exactement ce qu'il nous faut. Ici à Léo, les gens sont très durs. Vu que ce Kassavubu a fait une triomphe aux élections communales, si leur chiffre d'affaires a fait un bon, le nôtre... Bref, il faut pas le dire, mais nos affaires battent de l'aile. Bon, on montre capable de le redresser. Si on peut dire, on accuse notre bière de rendre impuissant. Ils vont jusqu'à dire ça. Si tu te montres capable de le redresser, je donne un salaire au directeur adjoint, comme lui. C'est un bon salaire, n'est-ce pas, Bellemans? Très bon salaire, monsieur le directeur. Je veux que dans un mois, la courbe est remontée. J'ai carte blanche. Si on peut dire. Boya, approchez, mes amis, approchez. Approchez. Goûtez, c'est gratuit. Les filles? La bière, petit malin. La bière, pas n'importe laquelle. La meilleure, la reine de toutes les bières, la Polar. Donc, je vendais de la bière. Pourquoi pas? À vrai dire, Polar ou Primus, cela m'était plutôt égal. J'étais enfin à la capitale, et c'était le plus important. Moi, je suis pour la Primus. Vive le roi Kassa. La concurrence se détourne. Et moi, je dis vive le Congo. Vive le Congo, libre. Vive l'indépendance.
Quelle rigueur, jeune homme. Approchez. Venez donc voir notre polar. C'est moi qui offre. C'est à cette époque que je fis la connaissance de Joseph, encore sergent à la force publique et aspirant journaliste. Et vous ? Joseph Désiré Mobutu. À notre santé. À notre avenir. Il ne s'appelait pas encore Mobutu Sese Soko Kukungwelu Wazabanga, père de la nation. Et l'autre là avec toi, le caporal. Nous n'en étions pas encore là. Pour le moment, le Congo était encore belge et les Congolais des administrés. Lumumba, Patrice Emery. C'est moi. Par ici. Non. Lumumba, Patrice Emery. Tu as un casier judiciaire. Oui. Et tu espères partir. Voilà. J'ai mon visa. Ouais. Et de la chance aussi. Ou du piston, peut-être. Fourchette à gauche. Si l'enfant indigène apprend à travailler et à s'instruire, on lui apprend aussi à s'amuser, selon des conditions. C'est comme une phase du flamand. Tu peux m'ouvrir ? Comme de rares autres citoyens, j'obtiens, après examen, ma carte dévoluée. La première conférence panafricaine. Elle permettait peu de choses, au-delà de pouvoir acheter de l'alcool dans le quartier européen. Tout le Congo. Pour l'apprentissage politique, il nous restait le club des amis du sport, l'association des commis, l'association du personnel indigène et à défaut la congrégation de la Sainte Vierge. Pas de collaboration, désobéissance civile. Cela fait 80 ans que cela dure. Au début, c'était le trafic d'esclaves. Ensuite, le trafic d'ivoire. Après, la décimation des villages pour exporter le caoutchouc. Et aujourd'hui, les diamants, le cuivre, le manganèse, le zinc. Tout le monde sait quelle est pour demain l'indépendance. Rappelles-tu cette année 1959, pleine d'élan, de fureur et de violence? Te rappelles-tu comment personne n'avait vu venir ces événements qui allaient tout changer? Patrice, MNC au Patrice, milieu là, mais on verra ça plus tard. Patrice, là, c'est très bien. Le roi, c'est Baudouin, viens entendre. Ils vont céder. Une étape décisive pour les destinées de nos populations africaines. Je crois devoir, à la mémoire de mes illustres prédécesseurs, fondateurs et consolidateurs de notre œuvre en Afrique, j'y crois pas, d'emporter moi-même quelque chose derrière la tête. Le caractère. Ils ont perdu la tête. Ils ont perdu. De notre présence sur le continent. De Gaulle a lâché. La petite Belgique n'a pas le choix. On va les manger. Tu sais, Maurice, un de ces jours, quelqu'un va te prendre au mot et croire que tu es vraiment un anthropophage. Hein. Entre quoi ? Anthropophage. Ça veut dire quelqu'un qui mange de la chair humaine. Eh ben, si c'est ça que cela veut dire, ce soir je me sens même trop au froid. Notre résolution est aujourd'hui de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée. Bokima ! Bokima ! Bokima ! Bokima ! Sans laquelle un régime démocratique n'est que dérision, duperie et tyrannie.
Le directeur avait raison. Vous avez passé des papiers dehors. Fumier. Alors, je proteste solennellement. Ben voyons, je réclame mon élargissement afin de pouvoir participer en tant que délégué du MNC aux travaux de la table ronde à Bruxelles. Si ça se mange, macaque. Tu crois qu'on est assez couillon pour te laisser sortir dehors? Alors que c'est parce que t'es un subversif qu'on t'a foutu dedans. T'en as pour des enfers. Et on va s'occuper de toi, mon coco. Tu te vois à Bruxelles comme ça, hein? Et tu lui dirais quoi au roi? Hein? Tu dirais quoi à Buana Kitoko? Ah, il veut être ministre. Ils veulent tous être ministres. Tu veux des décorations? On va te décorer, tu vas voir. Tu veux qu'on t'appelle Excellence, hein? C'est ça? Macaque, hey. Tu veux qu'on t'appelle Excellence? C'est ça? Monsieur le directeur. Monsieur Lumumba, j'ai des ordres dans Bruxelles. Le ministre du Congo souhaiterait qu'en tant que président du MNC, vous participiez aux travaux de la table ronde. Alors, vous êtes libre provisoirement. Demain matin, il y a un avion pour Bruxelles. Vous le prendrez. Ah, Patrice. Ah, Joseph. Ça va? Content de te voir. Oui. Ah, Jean. Monsieur Lumumba, c'est votre première visite à Bruxelles. Est-ce que vous comptez rencontrer Monsieur Kazavou? Bien entendu, je suis là pour rencontrer tous les représentants de la base. Quels sont vos rapports avec Monsieur Kazavou? Nous avons de très bons rapports. Est-ce que vous souhaitez rencontrer les investisseurs européens? Bien sûr, c'est conférence, Monsieur Lumumba. Qu'attendez-vous de cette conférence? J'espère que tout se passera le mieux possible. Allez-vous rencontrer les ministres belges, Monsieur Lumumba? Je suis une pauvre femme, mais il y en a des millions d'autres comme moi. Et c'est en leur nom que j'ai voulu saluer un combattant pour la liberté. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Le MNC a-t-il une chance, Monsieur Lumumba? Monsieur Lumumba! L'avion? Non, non, pas l'avion. La prison, ce n'est rien. Raconte-moi plutôt Bruxelles. C'est une très belle ville, mais il y a des travaux partout. Je m'en fous de la ville, la table ronde. Ça se passe bien? J'en sais rien, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on ne parle que de toi. C'est pour laquelle? C'est pour la 3. D'accord. Allez, on se voit là. Moi, pour la mine, pour le problème. La fac, ça l'a fait 3 bien l'année, oui. Pour qui monte au 3e? Moi, Mathieu. Un service exclusif pour Bamboko. Qu'est-ce que tu y trouves, Zouzo, hein? La classe, mon vieux, la classe. Pour voir, hein. Au devant, les intellectuels. Allez, allez, il y a du boulot. Non, 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 non. On n'a pas fini. Ah non, un coup de boulot. Ah, oh, oh, bon. Laisse-nous partir. Allez, 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 allez. Pour au moins faire quelques photos. Monsieur Lumumba vous verra à 19h comme convenu. Oui, mais... Pas maintenant. Mais ça veut dire quoi, les velléités de l'indépendance? À l'heure actuelle, c'est une réalité. Eh bien oui, elle est élastique. Ce n'est pas de notre faute si aucune date n'a toujours pas été fixée. Ah, bien sûr. Monsieur Kazavubu, très heureux de vous rencontrer. Et moi, je dis que c'est un crime. Je crois que vous attachez trop d'importance à un mot. L'indépendance. Un mot. Mais Dieu aussi, c'est un mot. Et moi, je crois en Dieu. Et je dis qu'on est en train de donner le Congo et l'Afrique aux communistes. Exactement comme les Français avec l'Algérie. Pouvez-vous sortir, s'il vous plaît? Tous ceux qui n'ont pas un mandat politique ici, s'il vous plaît. Messieurs. Joseph, tu n'as pas entendu? Je ne comprends pas. Je suis délégué du MNC.
Vous êtes bien étudiant ou stagiaire ici en Belgique? Oui, mais je... Cette réunion est uniquement destinée aux délégués venus du Congo. Mais je suis délégué du MNC. Je dois assister à la réunion. Joseph, c'est le règlement du front commun. Laissons-les faire l'expérience de leur liberté. Ou bien ils donneront à l'Afrique l'exemple que nous donnons à l'Europe, d'un peuple uni, décent, laborieux. Ou bien le fond primitif reprendra le dessus. Et alors... Et alors? Alors nous avons une armée, nous avons des milices, l'aviation, des tanks. Nos deux forces sont les plus importantes. Enfin, je vous propose que nous adoptions une position commune. Vous pensez à un compromis. L'indépendance, le 15 juin. Le ministre refusera. Vous voulez que nous cédions sur la date? Uniquement pour préserver le front commun. Vous voulez gagner du temps. Quoi faire? Vous pouvez parler de sortie ou de mauvais coups contre notre futur État? De mauvais coups? L'union minière du Haut-Katanga. Le cuivre, les diamants, est-ce qu'ils laisseront tout cela aux mains du gouvernement ou... Non, je ne sais pas encore ce que sera le gouvernement pour l'instant. Attendons les élections. Non. Autrement dit, nous n'y sommes pas encore. Je vous le demande. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de l'indépendance, hein? C'est pas un peuple, c'est des tribus. Les Loulois détestent les Balouba. Balouba hisse les Bakongo. Bakongo ne supporte pas les Bengala, alors. Tout ça ne tient que grâce à l'administration coloniale, c'est tout. Justement, on l'a fait disparaître. Vous croyez, vous? On n'a pas fait la même erreur que les Français. On n'a pas africanisé les cadres. Prenez la justice, la police, la poste. Tous les supérieurs sont belges. Sans eux, c'est le chaos, hein. Bien, 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 bien. Va pour le 30 juin. L'indépendance est un fait acquis. Mais la seule question qui reste, c'est de savoir si elle sera fédéraliste comme vous le souhaitez ou unitariste comme je le veux. Je vais rédiger un communiqué, nous le signerons. N'oubliez pas de me le faire lire avant. Vous connaissez la dernière chanson à la mode? Indépendance, tcha-tcha, nous oublions. Patrice! Patrice, on a gagné. Leur combine ont raté. On est en tête. 42 députés pour nous, 12 pour eux. On dépasse même la baguette. Même à Léo? Oh non, quand même pas. Pourquoi président papa? Aller jusqu'au bout. Oui, 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 jusqu'au bout. Tu sais plus ce que tu dis, Maurice. Je sais très bien ce que je dis. Je sais très bien qu'une révolution ne se fait pas à moitié. Il faut foutre en l'air de ce pays tous les flamands. Exproprier les missionnaires. Expulser tous ces parasites. Tous ces fonctionnaires. Tu les remplaceras par qui? Mais on s'en fout des fonctionnaires, Patrice. On s'en fout. On n'en a pas besoin. On t'appelait on cha-cha, bagaille, oh. Vous n'aurez pas la tâche facile. Je le savais.
Mais j'ai besoin d'une précision. Suis-je censé former le gouvernement ou ma mission est-elle d'information? Je n'ai pas bien compris. C'est une mission d'information en vue de former le gouvernement. Je ne comprends toujours pas. La cérémonie d'indépendance, c'est pour le 30 juin. Si d'ici là, le gouvernement n'est pas formé, si ma mission est seulement officieuse... Elle est officielle, mais d'information. Non, laissez-moi, s'il vous plaît, ordonner les choses comme j'ai été mandaté pour le faire, par Sa Majesté. Information d'abord, formation après. Chaque chose en son temps. Je ferai de mon mieux. Mais notez que le temps presse, monsieur le ministre résident. Je vous souhaite bonne chance, monsieur le chargé d'information. J'accuse le ministre Gansoff et la duplicité du gouvernement belge qui me considère comme dangereux et qui ne veut pas que je forme un gouvernement avec des hommes choisis par moi. Sans doute, à Bruxelles, préfère-t-on voir un Congo sans gouvernement le 30 juin plutôt que d'avoir un gouvernement Lumumba. Dans ces conditions, il n'y aura sans doute pas non plus de chef de l'État le 30 juin, car ce n'est pas mon groupe ni ses alliés qui vont voter l'investiture de M. Kassavubu. La Conakatrine, Jean Bénon, la coalition ne tiendrait pas une journée. Même au titre de commissaire d'État pour la province de Katanga. On peut trouver mieux. Pour les finances, j'accepte votre homme. Mais je tiens à Thomas Kanza. Au moins, comme ministre délégué à l'ONU. C'est le fils d'un homme que nous avons écarté de notre parti l'année dernière. Ça ne me fait pas plaisir. Le fils n'est pas le père. Il fait du bon travail. Messieurs, je vous signale qu'il fait jour. Le bloc nationaliste que je préside appuiera de toutes ses forces la candidature de M. Kassavubu au poste de président de la République. Je n'ai jamais contesté que ce titre lui revient de plein droit. Mon premier geste sera d'entériner l'élection de M. Lumumba comme premier ministre du gouvernement de l'Union nationale. L'Union, c'est ce dont le Congo a désormais besoin. Monsieur Lumumba, est-il vrai que le Katanga n'est pas représenté dans votre gouvernement? Vous ne craignez pas la sécession? Bien sûr que vos amis sont représentés. Il n'y a pas que Tchombe, Munongo, Katanga. Mais par pitié, plus de questions. Le Congo est et restera uni. Ça vous va comme déclaration? Merci. Bien. Unis ou pas, nous ce qu'on veut, c'est des galons. Nambongo, Olembi Bapas. Ne plus être mené par des flamands, plus de brimades, plus de cachots. Et Koki, Olembi. Okate la bango ma diti ya lopango na kosoko la bantungu okeba kosenga bisoto salamanto. Tika, Tika, Bofanda, vous savez, tout ça ne changera pas en un jour. J'ai demandé au roi une amnistie générale ainsi que des promotions pour vous. Je vous le promets, le 30 juin sera une journée de joie, sans distinction de catégorie, de province ou d'ethnie, pour le peuple unanime. Je vais me coucher. À demain. Lumumba. Patrice Lumumba. Tiens, Tchombe, la Conakat au grand complet. Je rentre ce matin, Elisabeth.
J'ai attendu hier toute la journée la liste des membres du nouveau gouvernement. Vous vous étiez engagé à me la communiquer. On vous l'a fait parvenir. Menteur. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Du calme, Maurice. Apparemment, vous la connaissez, cette liste. On sait que votre gouvernement est un ramassis d'extrémistes. Eh bien, sachez-vous qu'on va s'opposer par tous les moyens à la structure unitaire que vous voulez imposer par la force au pays. Et ça veut dire quoi, par tous les moyens? Vous opposez au résultat d'un vote démocratique? On s'oppose au communisme. Communisme. On n'est pas plus communiste que vous, n'est-ce pas, moi? Ils sont fâchés. Tu vas quitter ce tombe-là, toi. Mes amis, c'est ça l'indépendance. Eh ben, on n'a pas fini. Cette poussière. On ne pouvait pas au moins leur laisser ces croûtes. Ah, propriété de l'État belge. C'est des ordres. Sauf qu'il peut. Les Bantous arrivent. Sire, ils vont vous le cochonner, votre Congo. Et la cave. Il laisse la cave. Vous s'en mettez pas, le gouverneur. Oui, 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 oui. Il n'y a plus personne pour répondre au téléphone ici. Le gouverneur Cornelis n'habite pas ici. Le gouverneur Cornelis n'habite plus ici. Ici la résidence de Patrice Lumumba, Premier ministre de la République du Congo. Qui n'a pas dormi depuis 5 mois. T'es fatigué, papa? Donnez-moi ça, vous autres. Dis-moi ça. Dis-moi ce que tu en penses. Quelle heure est-il? Quand est-ce que la voiture arrive? Je vous répète que c'est impossible, Excellence. Ce n'est pas parce que je préside la cérémonie. C'est parce que je pense aux effets. On va créer la provocation. Mais qui a provoqué le premier? M'a même pas transmis le discours du roi et du chef de l'État. On me refuse une amnistie qui aurait pu être un geste symbolique pour l'opinion, un geste essentiel pour la cérémonie. Je vous ai fait nommer à la présidence du Sénat parce que je pensais que vous aviez du caractère. J'ai fait une erreur. Tu n'as pas besoin de lui donner la parole. Le micro traîne dès que Kaza a fini son speech. Patrice le prend. Ils seront bien obligés de rester et d'écouter. Vous voulez contraindre le roi, le général Yansel, l'évêque? Le roi, le général, l'évêque. Tiens, je l'avais oublié celui-là. Eh bien justement, qu'ils entendent pour une fois une parole vraie. Ça les changera. Ça changera tout le monde. Ah. Bien. Patrice, tu veux vraiment dire ça? L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous. Que Dieu protège le Congo.
Excellences, mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire, pleinement indépendante et souveraine... Patrice, c'est trop dangereux. Tu as corrigé ce que tu as voulu. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Tu veux vraiment les prendre à contre-pied? Tu l'as entendu. Tu veux laisser ça sans réponse? Que vont retenir nos enfants de cette histoire? C'est qu'à ça qui répond. Eh bien, écoute-le. Écoute comment il répond. Sire, la présence de votre auguste majesté aux cérémonies de ce jour mémorable constitue un éclatant et nouveau témoignage de votre sollicitude pour toutes ces populations que vous avez aimées et protégées. Nous ne les décevrons pas. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échapper aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Incidents isolés. Il ne faut pas dramatiser. Le camp Hardy vient aussi de se révolter. Ils prennent leurs officiers en otage. C'est vous qu'ils cherchent. Ils disent qu'ils veulent vous tuer. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fout, Yansen? Taisez-vous.
Asseyez-vous, examinons la situation calmement. Monsieur le ministre Mpolo. Merci. Il y a 25 000 hommes dans la force publique. Ils ont des émetteurs branchés sur la même longueur d'onde. Ils savent même avant leurs officiers ce qui se passe d'un camp à l'autre à travers tout le Congo. Mais ils sont fous, la Linguinin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Monter en grade, voilà ce qu'ils veulent. Je le sais, j'en ai fait partie. Si je peux me le permettre, monsieur le Premier ministre, c'est vrai que les hommes sont fatigués. Ça fait plus de 5 mois qu'ils sont sur les dents. Les émeutes, les festivités... C'est leur général flamand, ce Janssen, qui les excite contre nous, alors qu'il est contre l'africanisation des officiers depuis toujours. Il faut le fusiller? Il faut le remplacer. C'est plus simple. Je propose le sénateur Lundula. Et toi, Mpolo, je propose de te nommer colonel. On vote. Je ne voterai jamais pour un homme qui veut fusiller tout le monde. Qui n'est même pas un militaire. Monsieur le Premier ministre, j'ai passé 7 ans dans la force publique. Sans nier les qualités de mon collègue Maurice Polo, je me crois beaucoup plus qualifié pour prendre en main... Je pense que c'est une excellente proposition. Il est important que le nouveau commandant sorte des rangs. C'est un bon choix. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et la discipline militaire, les officiers? Excellence, on ne veut pas faire du mal. On a une pétition. On vous demande de répondre tout de suite. Donnez-moi votre pétition. Je la lirai et je vous en tiendrai compte. Non, Excellence. Vous répondez tout de suite. Désireux d'accomplir notre tâche militaire dans la discipline, nous dénonçons le général Émile Janssens, qui est en train de déshonorer l'armée congolaise. Nous voulons un régime de justice et d'égalité. Ce régime est inconcevable tant qu'il existera des officiers dans l'armée congolaise. Des officiers? Vous voulez dire des officiers blancs? Je comprends votre désir d'égalité et de justice. Je n'accéderai à aucune demande sous la menace de vos fusils. Je vous demande de rentrer dans vos casernes. Le Congo libre a besoin d'une armée forte et disciplinée. On a déjà entendu ça. C'est Janssens qui parle comme ça. On veut une réponse tout de suite. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous sur le sens de votre pétition. J'ai entendu votre indignation, je la comprends. Et je vous parlerai moi-même demain, au camp Léopold, aux premières heures de la matinée, je vous le promets, vous avez ma parole. Maintenant, je vous demande de vous retirer et de rentrer dans vos casernes. Vous irez au camp, Léo? Je vous le promets. On a 15 officiers blancs en otage avec leurs femmes. Si vous ne venez pas, on les tue. Ils me font pas peur. C'est la force publique. Je prends leur matricule.
Niamayo. Moi que rien. Sac à merde. Vous êtes la honte de votre régiment. Mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a eu d'autres zigotos comme vous un peu partout en province. À Madimba, ils ont même violé une blanche. Fusillés ! Vous déshonorez la force publique. Arrestation immédiate. Emmenez-les. Je veux que les choses soient claires. L'indépendance, c'est bon pour les civils. Pour les militaires, il n'y a que la discipline. La discipline. Avant le 30 juin, vous aviez des officiers blancs. Après le 30 juin, vous avez encore des officiers blancs. Peut-être que les politiciens vous ont raconté autre chose. Ils vous ont menti. Moi, je vous ai toujours dit la vérité. Et si vous ne l'entendez pas, je vais vous l'écrire. Après l'indépendance. Égal avant l'indépendance. Tu viens pas te coucher? Je termine ça. Tu vas encore dormir sur ton bureau. Pas que tu t'inquiètes. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Tu dors à peine 2 heures par nuit. C'est à croire que tu prends vraiment des chambres pour tenir le coup. C'est le bruit qu'on fait courir. Tu sais, si je te disais tout ce que la domestique me rapporte. Bien soin des enfants. S'il m'arrivait quelque chose, général, vous devinez pourquoi je vous ai convoqué. J'attends que vous me l'appreniez. Moi, j'attends que vous m'expliquiez ce que veut dire ceci. Ce télégramme que j'ai reçu hier soir. Il me semble que c'est parfaitement... Excellence ! Pardon ? On dit excellence. Je désire savoir ce que vous voulez dire par... Comme je n'ai pas l'habitude de me contredire ni de me répéter, je vous prie respectueusement de considérer ceci comme un dernier et solennel avertissement. Dites-moi, pensez-vous qu'en Belgique... Un général s'adresserait ainsi à ses supérieurs? Pardonnez-moi, Excellence. En Belgique, l'ordre règne. Ici, nous allons vers la catastrophe. Les désordres ne cessent de s'étendre. Ils s'étendent parce que vous ne tenez plus vos hommes qui en ont assez de vos méthodes. La force publique doit changer comme tout le reste. J'attends votre démission. Monsieur Lumumba, Excellence... Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, général.
flamand, wallon. Wallon. C'est 100 francs. Mais pourquoi? Pourquoi, monsieur? Excellence, l'ambassadeur de Belgique. Faites-le entrer par le jardin. Monsieur l'ambassadeur, vous apportez des nouvelles. Rien que vous ne sachiez déjà, Excellence. Elles sont très mauvaises. Je sais que vous vous êtes fait chasser du camp de Paul. Nous avons eu des problèmes, mais l'ordre sera rétabli. Je ne sais pas de quel ordre vous parlez, mais en tout état de cause, je ne suis pas venu au Congo pour assister passif au massacre et au viol de mes compatriotes. Si vous n'en avez pas les moyens, je dois vous avertir que moi je les ai et que je les place à votre disposition. Une intervention. La situation est grave. Je pense que vous pourriez solliciter une aide de la Belgique. Il existe un traité qui vous y autorise. J'ai une opinion différente. Si vous déclinez ma proposition, nous serons amenés à consulter nos partenaires atlantiques. Vous me comprenez? Non, je ne vous comprends pas encore. Mais je vais vous dire ce que j'ai décidé. Le général Janssen, commandant en chef de la force publique, doit quitter le Congo dans les 24 heures. 2. Vous êtes chargé d'en avertir l'intéressé et de vous assurer de son départ. 3. Vous êtes personnellement responsable de ses mouvements d'ici le dit départ. Excellent, cet officier a été un grand serviteur du Congo. J'exige qu'il soit traité avec correction et courtoisie. Courtoisie. Tout ce qui se passe ici, c'est vous. C'est vous, c'est les Belges. Le camp de Tisville s'est révolté à cause d'un sous-officier belge. Le camp Léopold à cause du général Janssen. Elisabeth Wyss et Weber. Les rumeurs de débarquement soviétique. C'est vous qui les lancez pour semer la panique. Depuis le début, vous complotez contre moi, contre le gouvernement Lumumba. Et vous osez venir ici, me menacer de l'ONU, de l'OTAN, hein? Venir en pleine nuit chez le Premier ministre pour l'insulter, le menacer? Dès demain, vous entendez? Dès demain, je convoque la presse pour dénoncer votre complot, vos menaces et vos insultes. On m'a conseillé d'aller me réfugier à Brazzaville. Eh bien, je resterai, vous entendez? Je resterai derrière mon bureau jusqu'à ce que les Belges viennent me massacrer. C'est moi qui ai lieu de me plaindre, c'est vous qui vous fâchez. Permettez-moi de trouver ça curieux. Permettez-moi de vous demander de sortir. Dans ces conditions, je révoque le général Janssen. Pour son propre bien et pour sa sécurité. Je l'engage à prendre le premier avion pour Bruxelles. Je nomme le major Victor Lundula, commandant en chef de la force publique. Et j'élève Joseph Mobutu au grade de colonel. La force publique devient l'armée nationale congolaise. Les Belges s'inquiètent pas, monsieur Lumumba. Comment allez-vous mettre en exaction? Les difficultés sont inévitables. Les troubles sont le fait d'une minorité d'agitateurs et d'un immense malentendu. C'est pour y mettre fin, pour calmer les esprits, que j'ai décidé avec le président Kasavubu d'entreprendre une vaste tournée d'explications et de pacification à travers le pays. Il est où, Katanga? J'irai partout. J'irai à Elisabethville, à Coquillatville, à Stanleyville, à Loulouambourg. Oui, bien entendu. Mais je mets en garde le gouvernement belge contre toute tentative de profiter de la situation pour faire une intervention militaire ou encourager la rébellion. Seul le travail nous permettra de prospérer. Ceux qui ne veulent pas le voir et qui sabotent nos efforts seront considérés comme des ennemis du peuple. En face, monsieur Tombé. Le Katanga, notre belle et prospère province, une des principales sources de notre richesse nationale. Dès quelle heure à Elisabethville? Même heure qu'à Bihibindi? Je ne sais plus. J'espère seulement qu'Elisabethville sera notre dernière étape. 10 jours qu'on tourne. Je ne supporte plus l'avion. Le Congo est trop grand pour nous. Dites pas ça, monsieur le président. Le Congo est grand. Il exige de nous de la grandeur. Il n'est pas trop grand. Qui dit sécession, dit trahison. On descend. Monsieur le président, la tour de contrôle d'Elisabethville nous refuse d'atterrissage.
Je répète, vous n'avez pas l'autorisation de vous poser. Ordre du gouvernement katangais. Quel gouvernement? Ça y est, la sécession est entrée dans les faits. Nous pourrions envisager une visite du président Kasabubu, mais il n'est pas question que les traîtres Patrice Lumumba mettent le pied sous le sol katangais. Je reconnais, c'est Moulongo. Amorcez l'atterrissage. Je ne peux pas. Faites ce que je vous dis. Je ne peux pas. Ils vont mettre des camions sur la piste. Monsieur le Président, il faut faire demi-tour. Il n'y a pas d'autre solution. On ne sait pas se méfier de Tchombé. Oui. Tchombé n'aurait jamais agi seul. Ce sont les Belges qui l'ont encouragé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a le choix entre la guerre, la honte, l'abdication et l'abandon de 70% de nos richesses nationales. Monsieur le Président, on n'a pas le choix. Il s'agit de réduire une rébellion. L'union minière du Haut-Katanga, c'est toute la haute finance mondiale, vous savez. Vous vous rendez compte? Leur laisser un territoire 16 fois plus grand que la Belgique. On ne leur fera pas ce cadeau. Il faut faire appel à l'ONU. Vous croyez que l'ONU est le meilleur recours? Si on doit engager une opération militaire, vous pensez pas que les Russes? Les Russes? On dit déjà que je suis le jouet des communistes. Vous voulez me faire assassiner par la CIA? Quel calme, hein? C'est merveilleux, ce silence. C'est vraiment plus beau que ça. Pourquoi sommes-nous, Angélie? On vous a dit d'aller à Stanleyville. J'ai reçu d'autres instructions. Vous êtes sous nos ordres, monsieur. Ce n'est pas à vous de décider de nos priorités. Je suis belge. Excellence. Monsieur le chef de l'État, voulez-vous passer les troupes en revue? C'est un guet-apens. Vous demandez à un chef d'État d'un pays indépendant de passer en revue des troupes étrangères. Il n'en est pas question. Voyez si vous pouvez trouver une voiture. Monsieur le Président, nos troupes sont là uniquement pour vous rendre les honneurs et assurer votre protection. J'insiste pour que vous les passiez en revue. Nous refusons votre protection. Vous n'êtes plus ici chez vous. Monsieur le Président, je vous supplie de m'écouter. Nous avons voulu vous accueillir avec les honneurs dus à votre rang. Nous n'avons plus besoin de vos honneurs. Partez, c'est assez. Monsieur le Président, il est inadmissible d'adresser de telles paroles à un officier belge. Regardez ces femmes. Regardez-les. Elles ont été violées par vos troupes. Nos hommes ont été bafoués et maltraités. Vous êtes la honte de l'Afrique et du monde. Monsieur le Président, nous sommes ici pour protéger nos ressortissants. Il ne faut plus que le sang coule. Si le sang coule ce soir, c'est vous qui emporterez la responsabilité. L'humiliation n'allait plus s'arrêter. Ils étaient prêts à tout, même sacrifier leurs propres compatriotes. Il fallait un coupable pour expliquer cette catastrophe. Il fallait faire taire le rebelle, quel qu'en soit le prix. Thank you.
vraiment nécessaire, cette photographie? Ne vous inquiétez pas, monsieur le Premier ministre, on prend tout à notre charge. N'oubliez pas, il en faut dans chaque ministère, chaque école, chaque magasin. Excusez-moi. Oh non! On n'y arrivera jamais, ça fait deux mois. Donc tu confirmes. C'est la guerre, Patrice. L'ONU parle de génocide. L'ONU est manipulée par les Américains. Manipulée ou pas, il y a bien une centaine de morts, oui ou non? On vous a demandé de reprendre le Kassai, pas de remettre toute une région à feu et à sang. Pour quel résultat? Pourquoi? La plupart des dirigeants ont été se réfugier au Katanga. On a repris le Kassai, oui ou non? Vous avez fait une boucherie. Faire la guerre, ça veut dire tuer ou être tué. C'est le prix à payer. Qui paye? Toujours les mêmes. Jusqu'à présent, j'étais toujours couvert, mais là, non. Je peux pas assumer ces horreurs. Monsieur le Premier ministre. Arrêtez, Simagré. Patrice, je suis militaire et officier. Je l'ai prouvé. J'ai repris le contrôle de la force publique. J'obéis aux ordres. Quand il y en a. Et quand il n'y en a pas. Je décide tout seul. Femme, enfant, vieillard enfermé dans une église et éliminé. C'est ça tes décisions? Réponds. Non. Bien sûr. Mais enfin, Patrice, c'est la guerre. Et la guerre est toujours sale, tu le sais. Elle rend les hommes fous de peur. Et dans ces moments-là, les ordres n'y peuvent rien. Tu as laissé faire ça. Tu n'as même pas fait fusiller les coupables. Tu te rends compte de ce que ça va nous coûter? C'est moi qu'on va rendre responsable de cette histoire. Tu me rends plus seul que je n'ai jamais été. Tu n'es pas seul. Je suis à tes côtés. Tu n'es plus à mes côtés. Tu es dans mon dos. Je ne veux pas d'un assassin, un massacreur à mes côtés. Encore moins dans mon dos. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, fiche-moi le camp. Le président va vous recevoir. Monsieur Timbelek, content de vous voir. J'ai essayé vainement de vous joindre à l'ambassade. Je bouge beaucoup, excellent. Tout le monde bouge beaucoup depuis un moment. Mon gouvernement aurait des propositions à vous faire. Propositions? Je vous entendrai volontiers, mais permettez-moi de douter de la fiabilité des propositions américaines. Vous connaissez certainement ce proverbe bantou. La main qui donne, la main qui dirige. Votre main, je la sens beaucoup trop lourde depuis un moment. Veuillez m'excuser. Monsieur le Premier ministre, je dois vous dire ma préoccupation. L'armée nationale congolaise... Je sais, monsieur le Président. Massacre du Kassai. Je suis consterné. J'ai dit personnellement son fait aux coupables. Cela ne sert pas la cause du Congo. Non.
Le problème du Katanga reste entier. D'un côté, nos troupes ne sont pas encadrées et se livrent à des atrocités. De l'autre, la trahison de l'ONU qui soutient passivement les Belges. Le Ghana nous appuie qu'en parole et la Guinée n'a pas de moyens. Vous avez une solution. Les Russes? Ils promettent des Ilouchines, des cadres militaires. Ils pourraient renforcer les troupes du général Lundula, qui remplacera le colonel Mobutu, à qui je n'ai plus confiance. Je croyais que les Russes vous faisaient peur et qu'ils risquaient de vous compromettre. C'était il y a un siècle, monsieur le président. Nous sommes compromis jusqu'au cou. Quel bel endroit, n'est-ce pas? Et quelle paix. Permettez-moi d'insister, monsieur le président. Ai-je votre accord pour faire appel aux Russes? Si vous avez une meilleure solution, je peux peut-être l'entendre et l'appliquer. Je n'en vois pas. Joseph, maintenant que vous avez vos hommes à vous... Vous savez, ils sont à moi tant qu'on les paie. On les paie, on les entraîne. On investit dans l'avenir. L'avenir du Congo. Votre avenir à tous, monsieur l'ambassadeur. Écoutez, je vais être franc avec vous. Kasavubu nous a déçus. Lumumba, on s'en charge. Il faut un homme qui prenne les choses en main. J'y ai pensé. J'y pense tout le temps. Je suis chargé de tout vous garantir. Eisenhower. Kennedy. Qu'est-ce que je gagne? Tout. I repeat, to be cold as a cucumber. To be cold as a cucumber. Nous interrompons maintenant notre émission. Voici un message du chef de l'État. Mes chers compatriotes, le Premier ministre Patrice Lumumba, nommé par le roi des Belges, a trahi la tâche qui lui a été confiée. Il a gouverné arbitrairement et maintenant, il est en train de jeter le pays dans une guerre civile atroce. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de le révoquer immédiatement. Je demande à l'armée nationale de cesser une fois pour toutes les luttes fratricides et de déposer provisoirement des armes. Où est Justin? Il est parti manger. Et Dieu donné. Il n'est pas encore retourné. Mais il n'y a personne dans ces foutues baraques. Allez me chercher les clés de la Cadillac. Patrice? Où vas-tu? Au Parlement. Parlement? Pas le droit de révoquer un député élu du
ministre. Monsieur le Président, chers honorables députés, je prends la parole aujourd'hui devant vous parce que c'est de mon devoir de vous informer sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. En aucun cas, je n'ai été contre Kassavubu. De plus, si celui-ci est aujourd'hui chef de l'État, c'est grâce à moi, Lumumba. Certains députés, même de l'opposition, n'étaient pas d'accord parce qu'il serait un séparatiste, disait-il. Eh bien, le danger qu'il craignait, le voilà aujourd'hui. Si aujourd'hui, je demande aux élus de la nation que M. Kassavubu ne soit plus chef de l'État, il ne le sera plus. On a mobilisé des millions de francs pour mener une campagne contre moi par la radio, en lançant des tracts rédigés tous les jours pour une action psychologique. Pour tromper le peuple, on me traite de tous les épithètes. Lumumba dictateur, Lumumba communiste, Lumumba Moscou et tant d'autres. Est-ce que, quand nous luttions ici, qu'on m'a jeté en prison parce que je réclamais l'indépendance immédiate, était-ce des Russes qui me conseillaient cela? Non. Quand nos frères luttaient partout, était-ce des Russes qui nous instigaient à réclamer l'indépendance? Qui nous a exploités durant 80 ans? N'est-ce pas les impérialistes? La reine Elisabeth de Belgique est présidente des amitiés belgo-russes. Est-elle communiste? Lorsqu'il parle contre Lumumba, sachez que Lumumba n'est qu'un bouc émissaire et la bête noire. Ce n'est pas Lumumba qu'il vise, mais plutôt vous et l'avenir du Congo. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. La sagesse bantoue. La situation est plus grave que vous n'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Hépatite aiguë, il faut une intervention d'urgence. Tu l'as vue? Elle est très belle. Elle te ressemble. Comment va-t-on l'appeler? Je pense que c'est Marie-Christine. Qu'elle a une chance. Ils m'ont rien dit. Je veux mon bébé. Je veux mon bébé. Je t'ai pas vu au Parlement. Qu'est-ce que tu veux? Le gros. Je veux dire, le président m'a ordonné de venir t'arrêter. Je voulais t'en prévenir. Et te dire aussi que je n'en ferai rien, bien sûr. Je suis un militaire avant tout. Je
Je ne tiens pas à rentrer dans un conflit de politiciens. Ce sont tes hommes qui sont en train d'encercler la maison. Mesure de sécurité. Je ne suis pas en état d'arrestation, mais la résidence du Premier ministre est encerclée. Je tiens seulement à assurer ta sécurité, Patrice. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient ta peau. Entre ceux qui veulent ma peau et ceux qui me veulent du bien, je ne sais plus qui je dois redouter le plus. Je demande de retirer ces hommes. Tu me le demandes ou tu me l'ordonnes? Je te l'ordonne! Si j'écoute Cassin, tu n'es plus Premier ministre. Si je t'écoute, Cassin n'est plus président. Qu'est-ce que tu fais à ma place? Je te connais. Tu n'as pas pris cette décision tout seul. Qui est derrière toi? Qui? Pour sortir de l'impasse, l'armée congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, M. Kassavubu, ainsi que le Premier ministre, M. Lumumba. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais d'une simple révolution pacifique. Quoi? Y aura-t-il des élections libres? Mr. Mabono, is this a putsch? Arrêtez les politiciens et les parlementaires. Un coup d'État. Colonel Mobutu. Colonel Mobutu. Aucun militaire ne prendra le pouvoir. Aucun. C'est un coup d'État. Je vous répète, ce n'est pas un coup d'État. Et les Américains dans tout ça? Mais une simple révolution pacifique. Nous allons faire appel à tous les techniciens congolais neutres et aux techniciens étrangers choisis par nous-mêmes pour sauver le pays du chaos. Vive le général Mobutu! Et là, pas trop vite. Vous nous dire où se trouve le Mumba? Vive l'accord des Belges! Le Mumba sera-t-il jugé? Nous avons encore coupé le téléphone, mais ça ne saurait tarder. Je ne veux pas attendre d'être complètement paralysé. La solution, elle est très simple. Nous partons tous demain pour Stanleyville et on reprendra de là. Comment? Sur la neutralisation du pouvoir, je suis prisonnier. Monsieur Kassavubu a toute la liberté de manœuvre. Le Katanga, vous plaisantez? Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Et je suis toujours là. Excusez-moi. Je viens d'apprendre que ma fille vient de mourir en Suisse. Je ne peux pas rentrer là-bas. C'est toi. Oui, c'est décidé. Il faut briser cette situation. Mais je sais. Je ne peux pas rester ici enfermé en résidence surveillée toute une éternité alors qu'ils essayent de massacrer mes partisans un à un. Tu es en sécurité, toi? Oui? Bon. Écoute. Un de nous doit se sacrifier. Probablement finir par m'arrêter, me torturer, me tuer, qui sait. Ce sera un sacrifice pour le bien du peuple congolais. Très bien, Thomas. T'inquiète pas. Oublie ce que je viens de dire. Je parlais pas sérieusement.
Onigination de la Yolikaya belga. Koyo nazo benga ma americaine. Loyo pe. Les autres datina kingo. La route principale. Le poste de Kashimba nous a fait savoir qu'ils ont vu un convoi de soldats. À combien de kilomètres? 16 kilomètres. Peut-être un peu moins. Non. Merci, camarade. Il n'y a pas de bac. On abandonne les voitures, on passera en pirogue. Et l'autre côté, comment on fera? On trouvera d'autres voitures. Si on en trouve pas, on ira à pied. Non, Patrice, je ne vais pas aller la première. Vite, Patrice! Moi, je ne risque rien. Ils sont derrière nous! J'atteindrai le bac. Allez, on y va. Ne fais pas ça. Tu te l'interdis, c'est de la folie. Tu dois aller à Stanleyville, c'est ton devoir de militant. J'ai laissé se venger sur ma femme et sur ma fille. Qu'on dise après que j'ai laissé faire ça.
C'est du suicide, Patrice. Je vais leur parler, ils sont pas nombreux. Ils m'écouteront. C'est leur folie. Lingi ko salaire mabete kasi esengeli olanda biso. Sokite bako boma biso. Si vous m'amenez, c'est moi qu'on tuera. Mais sachez qu'on vous le pardonnera pas et que vous aurez à le regretter. C'est moi qui vous ai donné le commandement de nos forces publiques alors que tout était aux mains des Européens. Si ce sol buvait mon sang, ce sera votre propre destruction. Il a raison. Moi je suis le lumumbiste. Je reste avec lui. Tika bozo babo kangami no konabino. Imisa mokonzi. Batindi biso ndemosi. Très bien. Je pense, messieurs, qu'il est temps de passer au vote. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ah.
Monsieur Carlucci, voulez-vous ajouter votre voix? My country's government's not in the habit of meddling into the democratic affairs of a sovereign nation. We'll respect your decision. Allô? Oui, voici le message. Demande à cœur du juif pour recevoir Satan. Je répète, demande à cœur du juif pour recevoir Satan. Ouais. On arrête tout le monde en ce moment.
citoyens et citoyennes, militants, militantes, en ce jour mémorable, anniversaire de l'indépendance de notre pays, c'est avec joie et fierté que nous vous saluons tous et toutes. Au nom du gouvernement, nous vous demandons de garder une minute de silence à la mémoire de celui que nous proclamons officiellement héros national, Patrice Emery Lumumba. Vous pouvez prier, si vous voulez. Tu n'as jamais rien su de cette nuit au Katanga. Tu ne raconteras pas tout aux enfants, n'est-ce pas? Ils ne comprendraient pas. Tu leur diras simplement que j'étais arrivé 50 ans trop tôt. Tu leur diras que ce que nous voulions pour notre pays... D'autres ne l'ont jamais voulu. Ma chère Pauline, lorsque ces mots te parviendront, je ne serai plus en vie. Bonjour! Feu! Tu diras à mes enfants que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux la reconstruction de notre dignité. Tu leur diras que tout au long de notre lutte, jamais je n'ai douté un seul instant du triomphe de la cause pour laquelle mes compagnons et moi avant de donner notre vie. Va les chercher. Monsieur Lumumba,
Tambour.